regardez Jésus, l'acte de condamnation qui a été rédigé contre nous est en fait détruit et effacé pour toujours. Tout acte qui est signé pour moi-même avec vous, nous chirez et maintenant c'est un acte de guérison. Il y a une page histoire découverte dans la vie, nous, ici et maintenant dans la vie à venir là. Je suis bien content. Pour que moi, je connais que je dis, non, je n'ai pas écrit dans le livre Satan encore. Dans le livre La mort encore. Mais non, écrit dans le livre La vie. Alléluia. Gloire à son Seigneur. Parce que Jésus-Christ, lui libérez-nous par puissance, lui retirez-nous dans le Satan. Et maintenant, la vie, nous gagnons l'autre tournure. Quelle belle tournure. Nous qui étions autrefois idolâtres. Serviteurs ou servantes du diable, autant malfaiteurs, sommes devenus maintenant des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Par la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ, notre réalité spirituelle a changé. Grâce à la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ, nous sommes passés du royaume de Satan à celui de Dieu. De la malédiction à la bénédiction, des ténèbres à la lumière, de la condamnation à la libération, de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je tiens encore la nécessité pour annoncer l'évangile à toute création, l'y imposer à l'église, non seulement à la première église baptiste de Port-au-Prince, mais à toute église chrétienne, quel que soit milieu, quel que soit endroit que vous ayez, parce que il y a un grand nombre de personnes qui sont toujours dans le sommeil spirituel et qui besoin d'entendre ton message qui va changer le cœur, qui va changer la réalité spirituelle, même Jean ou même lui va changer la réalité spirituelle. La première raison, on dit que seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. La deuxième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer le monde entier et particulièrement la société haïtienne. C'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a changé le monde entier et particulièrement Haïti. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes tous d'avis que nous vivons actuellement dans ce monde de bouleverses et de crises. Les annonces publicitaires, les sites web, les chaînes de télévision, les journaux et les stations de radio diffusées, ils permettent nous mettre à travers un miroir tout en étant ici l'image du monde que nous avons là-dedans. Je monde qu'on est que tout le monde aspire à une vie meilleure. Je monde qu'on est que tout le monde a soif de la paix, de la justice et de compassion. Ce monde, mes chers amis, comme vous pouvez le constater, est marqué par des troubles comme la famine, le chômage, la guerre, la mort infantile, l'épidémie, l'injustice sociale, l'immoralité, des troubles politiques et sociaux, de la guerre, des maladies incurables, des catastrophes naturelles, pour ne pas citer que ça y est seulement. Et plus près de nous, en Haïti, le constat est bel et bien fait. Par exemple, on se sent à l'aise en Haïti. Partout et ailleurs, c'est de la méchanceté. C'est de l'immoralité, c'est abus sociaux, c'est kidnapping, c'est vol, c'est viol, c'est pauvreté, c'est la discrimination, c'est lutte fratricide pour le pouvoir. Bref, pays d'Haïti, il y a un lieu où que corruption a coupé chaque jour. Devant tout problème, si la
Nous-mêmes, l'Église, nous ayons double responsabilité. Nous devons jouer certainement un rôle d'avocat et de sentinelle pour que nous soyons capables de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, qui est capable de changer, qui est capable de réorienter, qui est capable de bâtir notre vision. Seul le Christ ressuscité, capable d'apporter de la paix dans le pays ici-là, dans le monde entier, par l'autre encore cabaret. D'ailleurs, il y a cherché de l'autre côté déjà. Il n'y a pas qu'à jouer. Mais c'est un seul nom qui dit que ma bonne la paix. Ma guidé la paix pour vous. Que cœur nous pas gens troublés. Pourquoi ça que c'est une seule qui a fait ça? C'est parce que même avant l'essence, dans le capte ici que le livre de l'Ancien Testament est présenté à Jésus, nous dit que Jésus a livre considéré comme le prince de paix. Et puisque l'image de la paix absolue, c'est les gens qui ont la paix dans mon sac. Bien sûr, on ne pas capoter. L'ONU, pas capoter. Les autres organisations, ils n'ont pas capoter. C'est seulement Jésus-Christ qui capable la paix. Seulement Jésus-là qui a réorienté la pensée humaine. Seulement Jésus-là qui a consolé les cœurs, qui a affligé et qui a désespéré. Si vous êtes à l'église, vous m'avez dit, si je dis, l'autre dans les yeux a coulé, a coupé, c'est grâce à Jésus. C'est parce que Jésus est allé bouchoir. Bouchoir n'est pas gâché. Bouchoir n'est pas chiffonné. Bouchoir n'est pas blasé. Il est passé dans les yeux. Et je dis à Dieu, vous plaît, vous avez dit, avec l'aide de Dieu, vous avez dit grâce sur la grâce. Vous avez dit oui, l'éternel. C'est qui moi, mais pas vraiment. Amen. Qui ça nous fait parce que vous êtes affaibli, vous êtes humilié, vous êtes dans nos coins. Mais Jésus a dépassé, mais il levait moi, il m'a dit chita aujourd'hui, parmi nous qui fait espoir. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Même Jésus a, tu es avec son maillot, car continue encore, qui est une bonne, qui est maladie, qui est docteur, déclaré incurable. Et si les athées, tu as parti dans l'assemblée, pour questionner un peu le monde, tu as dit, moi, pasteur, tu es malade, c'est Jésus seulement qui est guéri. Et même moi, je ne peux pas expliquer comment tu es guéri. C'est Jésus seul qui t'a fait ça. C'est Jésus seul qui a revitalisé la jeunesse affaiblie par l'inquiétude de son futur. En pire, dans le genou, puisqu'il n'y a pas ton équipage de l'âme de Dieu, qui ont inquiété. Mais Jésus dit que. Et qui est-il pas utile au Amen. À chaque jour suffit sa paix. Ne vous inquiétez de rien. C'est ça, il dit. Et chaque fois qu'il y a un là, ces paroles là, qui a capable de force pour vivre dans le monde là, pour ne pas tomber dans l'immoralité, dans la corruption, pour que nous ne pas vivre même gens avec l'autre jour. Seulement Jésus, capable de contrôler la nature qui chaque jour n'attendait pas tremblement de terre, tsunami, en pile encore, c'est seulement Jésus oui, qui est capable de faire ça. Et ça, impossible, c'est leur Haïti et nous tous. Reconnaître en ce Jésus, le gouverneur infaillible de toute nation heureuse. Dans son 33, verset 12, il dit heureuse la nation, dont l'éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit. Pour son héritage. Amis dans le Seigneur, au temps de Paul, Corinthe, l'idée était la pire réputation pour niveau d'immoralité, pour niveau de corruption, et c'est l'issue qui était gagnée là-dedans. Et l'église, ça, l'idée est prévue dans toute mœurs, si la mais grâce à l'évangile, l'église, ça, devine changer. Corinthe, devine changer. Je dis, on est convaincu que l'église, qui a transformé Haïti. Vous voyez ça? Et quoi que l'église capable de faire ça, en plus le pays, c'est très réputé également. Pour sentiment cannibalisme, pour comportement, pour esprit de violence. Mais heureusement, Jésus est changé. Tout le bagage à cause de l'évangile. Ou pas quoi Jésus qui a combattu Haïti? Amen. Qui fait que c'est une nécessité pour prêcher l'évangile, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer les individus de toute époque.
celle, l'évangile de Jésus-Christ, qui a le pouvoir de changer les individus de tout époque. La Bible présentez-nous, il y a une liste très longue de monde que Jésus a changé la vie par la prédication de l'évangile. Si ça va considérer Nicodème, qui vient rencontrer Jésus, Jésus t'a fait connaître que lui religieux n'est pas pour sauver. Et il a accepté l'évangile de Jésus de sauvé. Lorsque Jésus t'a rencontré également la femme samaritaine devant Pierre, fils de péter courir, il dit, joignez un homme qui dit tout ça, mon père. Et la Bible dit non, tout village là, t'es victoire Jésus-Christ. Si ça va considérer également sachez, vous connaissez qui est-ce qu'elle t'a dit. Pas même besoin d'aider. Assemblée de Jérusalem. En plus, l'autre encore, Augustin, il y a un père de l'église. Tu as écouté une histoire de Augustin, qui a été dénommé Saint Augustin. Avant Augustin de rencontrer Jésus, il était en pile fille. Et pour ça, pendant qu'il était accepté Christ, il y a un voleur qui a passé dans une vie comme ça. Et puis il y en a dame de le comprendre, il dit avec eux. Là, il a dit sinon, la petite Augustin, il fallait. Il ne sait pas, je ne réponds, alors il fallait dire, ouais, c'est bon, on va être là. Mais il était il fallait pour l'attaque. Et puis, il s'est attiré. Et après, dans la marche, il était quelqu'un d'autre, il dit, mais ça, il va plier. Il s'est dit, autrefois, il n'était qu'à accepter sur le conseil. Autrefois, il n'était qu'à tout bagarre avec vous. Mais je vous dis à Jésus, changez la vie. Autrefois, vous-même, vous êtes dans le monde, là. Vous dégoûtez avec tout bagage, mais je dis à Jésus, changez la vie. Pas à faire même genre encore. Autrefois, pour même passer avec moi, nous sommes des criminels, nous sommes des prostituées, des adultères, des blasphémateurs. Mais je dis à Jésus, les filles, ça dans les nôtres, mais des buts dans les nôtres. Jésus, les filles, robe de prostitution, robe de robe sous nous, mais les filles, les robes, pour que nous gardions merci. Vous m'avez dit merci Seigneur pour ça. Si vous avez un petit temps, pour aller sur la publicité, nous gardons pour vous. Ou même tout le monde qui est problème pour vous, mais vous pas faire ça pour vous, c'est grâce pour Dieu. Peut-être que nous gardons là, nous tenons tout le monde là, mais l'évangile de Jésus-Christ, lui changer la vie. Et si l'évangile est changé, si il est changé, nous voulons aller par tout le monde. Si au même l'évangile qui t'a changé de main, il a changé autour. Amen. Et l'évangile qui t'a jeté à ta chanter dans le Coran là, qui t'a jeté à ta pasteur là, mais qu'à ta missionnaire là, mais qu'à diable là, mais qu'à prédicateur là, l'évangile n'a pas changé la vie. Et c'est pas fait. Nécessité à l'imposer à tout qui là, Matéon, Timon, Grandmont, Jeanne, nous tous, nous avons une obligation pour que nous sommes capables de prêcher la bonne nouvelle du salut, parce que seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les individus de toute époque. Enfin, dernière raison qui fait que vous pouvez prêcher l'évangile, c'est parce que seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer votre éternité. Seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer notre éternité. Changement que l'évangile a apporté pendant avec son royaume, il va simplement affecter la vie terrestre, mais il y a une projection future, il est également pensé à ce qu'à venir. Mais ça fait très mal lorsque nous avons un peu de monde. Je dis la vie, c'est bien boire, bien manger et puis mourir. Mais pour nous-mêmes, les chrétiens, la vie pour bien nous parler au jugement. La vie, il ne dit pas la vie. Il y a la mort après la mort et la vie après la vie. Pourquoi ça dit ça? Pour qui mourit sur Jésus, tu vas aller mourir encore. Mais nous-mêmes qui n'a pris la vie vivante, n'a pas mouru, mais son passage la vie parce que nous allons vivre encore. Et dans le plus de même dit, il y a la mort après la mort et la vie après la vie. Pour tout qui l'a, destinez-nous, c'était pour nous périr avec Satan. C'était pour nous vivre ensemble avec tout le monde qui a pardonné Jésus. Mais Jésus a changé la vie. Songez là-haut, qui est mon mot de Jésus. Jésus m'a dit, aujourd'hui même, si tu seras avec toi, tu as le paradis. Jésus a changé la vie. Jésus, monsieur, il a dit, vous-même,
Il t'a changé la vie. Ou même quand